me laisses faire un plongeon? T'as dit quoi? Fais un plongeon. Ah mais c'est chaud. Ah ouais? Il a grave chaud frère, je sais pas il joue à quoi Lionel. Wesh. Oh, je fais quoi lui? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Là il y a embrouille là. Et là il y a une grosse embrouille, j'attends Yacine là. On s'est posé à la cafétéria, en fait il y a des petits portugais espagnols. Ils sont gentils mais ils font grave les fous. Genre en mode le portugais ils sont grave forts, les français ils sont claqués. Donc là on est obligé, il va y avoir une bagarre à mon avis, on va aller les voir tout de suite. Là je suis dans la piscine privée. Cette piscine là il y a vraiment pas beaucoup de personnes, mais vous allez voir ils sont de l'autre côté, ils sont au moins 5 ou 6. Mais je pense que je vais les soulever. J'attends Yacine là, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Yacine il est là, ils l'ont zerf ce matin. Il s'est pris une petite bouteille de 1876. J'ai l'air ce qu'ils t'ont fait ce matin. On va aller les soulever, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On est parti, ils pensent qu'on a eu peur. On va les soulever là, il a pris son quinoa et tout. Attends, je crois que c'est pas eux là. Pas... Le mec avec le bob là. Non, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. J'en ai marre de manger ça. T'as dit quoi? J'en ai marre de manger ça. Ah ouais? Mais pourquoi tu vas pas prendre des pizzas et tout? Ça va aller. Tu vas tomber malade. Ouais. Serre-moi un verre de 1871. Je vais goûter pour la première fois de ma vie, ça ressemble à quoi? Toi, t'es un malade toi. Pourquoi je suis un malade? On va tester si ça rend bourré ou si c'est pas mal. On en aura besoin pour cet après-midi, il y aura une baston. La dernière fois que tu les as vus, c'était où? Au stade de foot? Ouais. Ok, c'est bon, stop, 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 stop. Prendre des forces pour mettre des bonnes pêches. Eh, c'est bon. C'est de l'eau gazeuse portugaise. Bon, on va manger. Je vais montrer ce que je vais manger, après on va aller les voir. Ils ont déjà Yacine, Benzema, ils aiment pas Benzema, les Français. Laisse-moi prendre des forces. Hey, ils sont graves, hein. On est que deux frères, ça va être. Non, ça va pas être chaud, ça va être léger. T'es tout seul, hein? Ouais, je suis tout seul, vas-y, t'inquiète. Moi, je te compte pas sur moi, s'il te plaît. C'est quoi ces frites, là? J'ai pas envie d'être bloqué dans ce pays. L'air. Super bon, hein. Bon, je mange ça, mais on va aller les voir. A few moments later. C'est bon, t'es prêt, on y va? Attends, faut que j'aille au magasin acheter quelques trucs, là. Ah ouais? Ouais. Tout à l'heure, ils t'ont traité parce que t'avais le maillot de Benzema. Non, ils ont dit qu'ils aiment pas Benzema. Ils ont dit quoi? Il est gay? Pourquoi il l'aime pas? Je sais pas, j'ai pas compris. Ils ont dit Benzema, Ronaldo. Arrête, ils ont dit quoi sur Payet? Ah ouais, Payet, ils ont dit qu'il est agressif. Parce qu'il a cassé Ronaldo à l'euro. Ouais. Ah, on va aller se régler. Bah, tu nous emmènes où là? T'as pas honte, hein? C'est quoi ça? C'est pour boire de la bière. Irish pub, c'est les trucs où il y a les grands alcooliques. Je vais pas là. Tu vas où alors? C'est un magasin pour acheter des lunettes de soleil parce que je deviens aveugle. Prends pas des lunettes de Johnny, hein. Prends des vraies lunettes. Lesquelles? C'est 6 euros, c'est donné. Lesquelles? La famille, vous lui conseillerez lesquelles? Moi, je te conseillerais. Ça, c'est pour les meufs. Tourne un peu la machine. Ah non, celle-là, elle est bien boîte. Peut-être celle-là. Ça? Ouais. Teste celle-là pour voir. On va voir si elles sont bien. Ouais, celle-là, elle passe crème. Vraiment? Vraiment, elle passe crème. C'est des Armani? Vraiment, c'est des Armani. Regarde sur le côté. Pas un tiroir, un truc. Du coup, ce crevard, il s'est pris une paire que pour lui. J'ai des problèmes de yeux là. Actuellement, j'ai des taches noires devant mes yeux. C'est un baiser, tu sais, c'est vraiment un baiser du crâne. Mes yeux, c'est lui que c'est normal qu'on. Des gros trucs comme ça. Quand on a des journées chargées, ça fait voir le chocolat. En fait, le soir quand il y a. Je vous explique. Le soir. Trouvé la femme. Ça qui se prend en France, hein. Je vais le tester après. Le soir, genre quand. Après la bagarre. Le soir, quand il y a de la. Quand c'est sombre. Parce que je suis désolé, on est dans la route, on va mourir. Pas sur le train, s'il te plaît. J'ai dit le soir quand c'est sombre, et je vois des grosses taches noires dans mes yeux, c'est dinguerie. J'arrête pas de les chercher, je crois que j'en ai vu deux là. Là ils sont que deux, d'habitude ils sont au moins 8 ou 9. Là ils sont que deux, je vais aller les péter. Ils font quoi ces bandits là? On va voir s'ils vont faire les fous, ils sont derrière le buisson. Je vais aller les voir. Oh 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 oh. What do you Ahmel? Vous faites quoi? What? Ball, where is the ball? Ils ont perdu leur ball. Where is? Ah, ok. I take a ball? Yes. Ok. Viens, là, ils font les miskineux, c'est les gentils. Ils ont perdu leur balle. Tu peux leur donner? Who shoot his? Tu? Ah, Lisbonne, c'est à cause de ça. Prends-leur la balle. Ok, non. C'est Benzema. Voilà, vous allez aimer la France. Oh, thank you. Bon, les gars, on les a trouvés. Sauf qu'ils ont fait une dinguerie. Je leur ai dit quoi? Venez, on va dans la piscine, on fait des 1 contre 1. Si la France, ils sont gays.
Ils vont appeler tous leurs parents. Ah mais par contre, j'ai une dizaine avec ça là. Et lui, quand il était petit, il faisait pareil. Il cherchait la merde avec les gens, il appelait mon père. Tu te rappelles? Ouais. Et mon père. Après, il savait qu'on allait pas faire, les fous avec des petits en gros. Donc du coup, ils appelaient leurs parents. Ouais, ils ont appelé leurs parents. Et toi, tu leurs parents? Moi, je suis parti, leurs parents, j'ai Arbat. Mais vas-y. Là, je voulais vous montrer un petit truc aujourd'hui. Vous voyez, Yassine, il est là. Tu vois où il y a le flamant rose? Ouais. Ils ont installé des sièges sous l'eau. Wow. Et genre, il y a un bar sous l'eau. Pour les halleux. Ouais, pour les halleux. Je crois que je vais y aller leur montrer. Tu peux t'asseoir dans l'eau, vous allez péter votre crâne. Regardez, ils sont assis sur l'eau. Moi, je vais y aller aussi. En gros, tu peux commander. Ce que tu veux. Vas-y, plonge. Plonge. Et là, Clary, il va arriver devant moi. T'as papier? Oui. Regarde, il y a un siège là. Ouais, il arrive ici, Clary. Il y a un siège là? Attends, regarde. Il n'y a pas de siège. Ah bah ils sont tous pris. Eh merde. Et là en gros il y a en bas. Je vais demander quoi? Comme tu veux. À quoi? Et là le serveur il va lui servir. Tu peux prendre des glaces et tout. Tu peux prendre des glaces, je peux tout prendre. C'est juste qu'en fait à la cantine je mange tellement comme un gros porc que là je casse tout ça, je mange pas. Je vais voir sur ce que tu veux. Gracias. Obrigado. Et là tu poses tout. What is the problem with your t-shirt? No, it's not good. Not good? Oh, Porto is best. Porto is best. It's best of this. But this club, there was Cristiano Ronaldo. Yeah, but I prefer Oporto. Ah. And Paris vs Porto. Paris, I prefer Porto. Porto is my club of Your heart. Of heart. Jardel. Même toi, tu veux me mêler. No, no good. It's not good. No? Okay. Not good. Okay, okay. No, Jardel. Your friend t-shirt is good, but you're not. Ah, okay. Okay, Messi. Messi. Même lui va me mêler, même lui vient me mêler. Messi. Vasco, quand c'est là, t'as quoi comme maison de rêve, allez. Je comprends pas ce que tu me dis, mon rêve. Non. Ah ouais. Si. Ah, lui, il me dit c'est bien. Jardel et... Là, je suis en mode gros porc. Oh là là, regarde. Enlève le masque. 4 parts de pizza. Regarde. Enlève le masque. Le masque? C'est quoi le masque? Enlève-le. Il y a plus ça avec. Frites. Ça, c'est Myriam. Il y a ça aussi. C'est quoi pizza? Ouais. On va mettre des petites sauces. Franchement, les restaurants, c'est super bon. Ici, là, il n'y a rien à dire. Sauf c'est pas halal. Incroyable. On va se prendre une petite batata, comme ça. On met pas trop de ketchup. Et... Ça va, c'est bon. Ça c'est pour Yacine. Avant, c'était ta pizza préférée, ça. Tu t'appelles Margherita, ouais. Voilà, je vais laisser Yacine me choisir un dessert. Fais-toi plaisir. Ok, fais-toi plaisir. Et en termes de fruits, mets-moi qu'un kiwi. En gros, là, ce que j'avais fait. Pour les vitamines. Voilà, maintenant, choisis-moi ce que tu veux. Dans les gâteaux. Franchement, il y a du choix de malade mental, les frères. Il y a du choix de ouf. Mais ce soir c'est vite fait, il n'y a même pas de chocolat, purée. Il est seul. Il y a tout ça. Moi je voulais tester ça là. Oh, c'est... On ne voit pas. Super bon. Bon, explique un peu ton choix là. En gros, crème brûlée ici. Derrière, on a des petits gâteaux à découvrir aux amandes et tout. Et je pense que ça, c'est ce qu'il va aimer lui. Avec un petit kiwi. Ça là. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça va, c'est pas trop sucré, c'est super bon. 1 hour later. Fais un plongeon. Ah, mais c'est chaud. Ah ouais? Il a grave chaud, frère. Je sais pas, il joue à quoi, Younes. Wesh. Wesh, il fait quoi lui? Wesh, c'est qui qui a fait ça? C'est le mec de tout à l'heure. Il est parti où? Il est parti dans l'hôtel. Putain, tu l'as pas retenu. Arrête là. Tu l'as pas retenu. Non, j'ai pas retenu. Vas-y, reste quoi? Tu veux partir? Reste. On y va, wesh. Il pousse comme ça, il part. Il est parti où? Là-bas, là? On va le chercher. Je suis pieds nus. Hey, je vais lui faire bouffer l'eau. Il va aller dans l'eau, je vais lui faire rester l'alphabet en français. C'est des malades, les anglais.